le match comme ils le font d'habitude, avec de la vitesse. Lofo, qui va récupérer ce ballon. Lofo, il ne faut pas le perdre. Il faut bien combiner avec Niayo. Niayo Kazembe qui va partir pour Kasongo. Kasongo pour Lofo. Lofo, il est passé. Lofo Bongeli. Il va partir, il va soulever pour... Oh, oh, c'est le but. Voilà, comme tu as dit, qui marque. Oh, l'ami sportif de la République démocratique du Congo. À la 46e minute, Kalou Tukadioko qui reprend de la tête. Ah oui, et on voit Kidiaba dans cette scène traditionnelle. Aïe, 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 franchement inattendu. Il y a certains spectateurs qui n'étaient même pas encore assis. Le public se soulève ici au stade. On revoit. On revoit ce centre de Lofo. Voilà, il arrive là, oh, cette fois-ci. Je vous ai dit que le terrain était glissant. Et il a propulsé le ballon au fond de filet. Kalou Tukadioko qui ne marque pratiquement pas de la tête. Il a propulsé ses ballons. Le ballon est allé au fond de filet. République démocratique du Congo 1, Ghana 0. Voilà François, il faut dire que c'est le troisième but de Alain Kalou Tukadioko qui s'est fait oublier à un certain moment dans ses deux buts de la seconde mi-temps. Un beau jeu qui est parti de Pamphile Niayo à partir du rond central vers la gauche. C'était Kasongo Gambou pour Lofo. Et Lofo, sur ce centre, a retrouvé la tête de Alain Kalou Tukadioko. Et c'est bon pour le moral au niveau de Léopard. Niayo, Kasongo. Kasongo, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. C'est le deuxième but. Oh ah oui, Bedin Beza qui marque, ami sportif, à la 74e minute. Eh oui, Bedi Benza qui marque. République démocratique du Congo. Salam Oussala. Hein, hein, Salam Oussala, c'est la nouvelle danse de notre grand chanteur. Le Rassan. Voilà. Ah oui, la coupe a pris la direction de Kinshasa. À la fin. Ami sportif, à la 75e minute. Ah oui, le Congo démocratique qui est parti. Le ballon est parti, récupéré par Bedi Kifizi. Oh là là, c'est le deuxième but. Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Bandundu, Kikwita, Mandaka, Equateur, Mambenga, Kisangani, Boyoma, franchement, partout. C'est la grande fête ici. Kidiaba, t'as raison de danser. Tu peux déchirer ta culotte, on s'en fout, on t'en achètera une autre. Merci. Je vous ai dit que le coup de téléphone du président de la République, le président Babo est en train de sourire. Merci, président. Je vous ai dit que le coup de téléphone du président Joseph Kabila Kabange avant le match a bousculé le moral de ces jeunes gens. C'est vrai. On disait qu'il y avait trop de problèmes d'argent, mais le président de la République approuvé une fois qu'il peut bien agir à tout moment. Franchement, il a fait en Égypte, je me souviens, en 2006. Ah oui, il parle aux joueurs, sans intermédiaire, s'il vous plaît. Et c'est une bonne chose. Donc, il ne reste que 30 secondes à jouer, amis sportifs, ici au stade Oufuette Boigny, d'Abidjan. Et les Ghanaïens n'ont pas dit leur dernier mot. Peut-être que dans la 30 dernières secondes, ils peuvent revenir. Ça serait un miracle. Ayew. Ayew, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande à cette tous les jeux ghanaïens complètement désorganisés. Il faut laisser partir le ballon. Et voilà Mabélé pour son gardien de bien. Mais sportif. Ah oui, une victoire tout à fait méritée. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Kidiaba. Il joue avec son avec Mabélé. Mabélé pour un petit trésor. Pour tout trésor, qu'est-ce qu'il va faire? Démonstration de footballeur congolais terminée. Oh, la République démocratique du Congo, champion d'Afrique, après 1968, après 1974 en Égypte, la République démocratique du Congo remporte les premières chances. Merci au président de la République, Joseph Kabila Kabange, le numéro 1, le premier sportif. Merci également au premier ministre Adolphe Nuzito, à l'ensemble du gouvernement, pour les efforts consentis, tant au niveau des primes de Léopard qu'au niveau des positions des commentateurs en direct en faveur de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Merci également à notre conseil d'administration. Merci au ministre Lambert Mende qui n'a pas hésité un seul instant pour trouver des solutions financières et techniques
aux problèmes posés. Merci au comité de gestion de la RTMC avec le très sportif Kipolongo Mukambima qui a toujours résolu tous les problèmes de la direction des sports. Merci également au DGA Kabila qui fait un très très bon travail. Comment oublier les techniciens de Centre Vendinza, des téléconsultes qui nous ont toujours assisté. Comment oublier à cette occasion tous nos techniciens qui sont en dalle des amis. Ah oui, c'est pas vrai. On est émotionnés. C'est pas vrai. La Coupe à Kinshasa, nos amis de CDM, le Bota qui se sont battus, la direction des sports, la direction des programmes, avec Passy Samba, c'est une joie énorme. François, attendez, François, sincèrement, les mots nous manquent. Nous ne pouvons que remercier sincèrement tout le monde, à commencer par le premier sportif du pays. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo à travers les Léopards puisse enlever ce sacre continental. Bien. 5 ans après. Voilà, nous allons donc rester en place pour suivre la cérémonie de la remise de coupe à l'équipe de la République démocratique du Congo qui a fait un très très grand match à mes sportifs. Mais rendons hommage quand même à nos anciens footballeurs qui ont fait du bon travail. Vous vous rappelez à 1968, la première Coupe d'Afrique des Nations remportée, c'était en Éthiopie avec une très très belle équipe et tous ces garçons qui se sont sacrifiés pour la République démocratique du Congo et qui aujourd'hui sont également récompensés à travers bien sûr cette Coupe. Je dois également vous dire que cette équipe était composée de Kazadi qui est décédé, de Salomon Mangue, de Katumba, de Chimanga Anastase, de Mukombo Albert, décédé, Joseph Kibonge, Raoul Kidoumou, Pierre Moana Kassongo, Kalala Pierre, Jean Kembo, Léon Mungamouni. Ah oui, il faut féliciter ces garçons. La génération de 1974 qui gagne la deuxième coupe. Rappelez-vous, finale doublée avec la Zambie, avec Kassadi comme gardien de but. Mwepu, Wanga, Lobby le docteur, Albert Mukombo, Mavuba, Manama Mbouane le ventilateur, Adelar Mayanga, Ndaye Mutumbula, Raoul Kidoumou, Kakoko, Diep Ballon, il y avait bien sûr. Le champion de tous les temps, le roi de la forêt. Artiste à l'émotion, Simbi Amolakai. Merci beaucoup. Santos Motobile Boed. Alors bien, Robert Major Mogomoko, après Stamote, après Tobin, après Salabien. Merci. Robert Kidiaba. Robert Kidiaba. Il est à Makoko. Pardon, appelle dans son numéro 1. Robert, t'as son numéro 1. T'as son nom vite fait. Numéro 1. Merci.